ニマダムのレポーターのミシェルです。おしゃれなブチックが集まるマレ、そして夜遊びスポットやカフェが多いバスティーユ、この2つのエリアのちょうど真ん中に今パリ中の注目を集めているコンセプトストアがあると聞いたのでやってきました。ボマルシェ通りの111番ですね。ここです。早速行ってみましょう。ここにありました。すごい素敵な中庭があって本当にパリっぽいですね。あ、すごい広い。見てください、天井もすごい高くて広いですね。ここなんと1500平米もあるスペースなんですが、テーマが今回日本なんですね。いやー、いろんな日本の、ものが、小物だったり売ってるんですが、このブチックのインテリアディレクターであるジョン・ルック・コロナ・ディストリアさんです。ボジョー。はい、ジムシェロシク・コロナと申します。私は東京で住んでいました。そう、今日本語ほんの少し話します。すごい日本語が話せるんですね。おー、シャンプレッシュネー。 Merci, c'est un grand magasin qui réunit la maison, la mode, deux salons de thé, un restaurant et c'est un lieu de vie où on vient chercher les nouveautés et une atmosphère particulière à Merci.Qui réunit les choses de la vie de tous les jours comme les choses d'exception. Alors Merci, c'est à la fois un magasin et un magazine. C'est-à-dire que tous les mois, on change pour une grande exposition toute la grande partie de l'entrée. Et donc, comme un magazine, la couverture change et c'est tout un programme qui change tous les mois. Alors les thèmes sont très différents. On passe de sujets qui sont des sujets généraux, par exemple sur le recyclage ou par exemple sur l'empilage, des choses qui se, de rangement, à des thèmes sur des pays ou sur des designers. Donc c'est vraiment une grande diversité. Et sur les 10 à 15 thèmes de l'année, il y a 10 histoires complètement différentes. Alors le choix de Merci, c'est un choix très particulier à Paris. Et on pense, nous, que c'est plus intéressant de mettre ensemble des gens qui ne se ressemblent pas plutôt que de mettre que des marques ou des gens qui se ressemblent. Et donc c'est ce qu'on a voulu reproduire chez Merci pour que les clients se sentent libres et ne soient pas intimidés par le magasin. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu.今2階に来てるんですが、2階のフロアはインテリアがメインなんですね。どれを見てもすごいオリジナリティあふれるものがあるんですが、これなんかすごい可愛いですよ。こう木でできてるそのまんまのなんかテーブルと椅子で、このそれにまたシャンデリアっていうのも素敵ですね。ここにたくさんの椅子のコレクションがあります。これはいろんなパッチワークになっててすごい可愛らしいんですが、これは5000ユーロ、5000ユーロするソファーですね。これはなかなか高い。座り心地もバッチリでございます。今1階にある女性のモードコーナーまで来ています。 Bonjour. Alors, expliquez-moi, est-ce qu'on peut trouver que certaines marques ou on peut trouver de tout?Alors, on fonctionne beaucoup avec 3-4 marques importantes comme Isabelle Marant, Inamorato, Forte Forte. Et puis après, d'une saison à l'autre, viennent se grouper autour de ça plusieurs marques un petit peu plus petites. Des produits qui marchent beaucoup et qu'on retrouve tout au long de l'année, ce sont surtout les accessoires. Le produit qui est vite un produit coup de cœur et qu'on achète sans trop se poser de questions. Alors, en produit phare, bah, c'est tout ce qui est manteau un peu oversize dans lequel on va...scalfeutrer en plein hiver et quand on aura bien froid, on sera content d'avoir un grand manteau qu'on peut enfiler un peu sur tout et on le retrouve dans toutes les marques à peu près. これが先ほど話を聞いた、今年の冬のトレンドであるオーバーサイズのコートです。これはちなみに、フォルテフォルテのブランドで515ユーロです。このオーバーサイズのところが可愛いんじゃないでしょうか。これがマルベリーの黒のバッグです。これで1120ユーロ、カジュアルなんだけどシックな、素敵なバッグですね。ここではショッピングに限らず、好きな本を手に取ってこういった中庭の見える素敵なカフェで一休みすることもできます。誰でも楽しめるセレクトショップなので、マレ地区に来た時にはぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
それではまたパリマダムでお会いしましょう。Salut tout le monde!